On est avec Marie-Ève Dufault. Marie-Ève, les gens te connaissent peu ici, malheureusement. Tu es née à Sorel, tout près d'ici, et tu résides maintenant en Californie, à Los Angeles. Tu as quand même un bon background, un bon bagage de sport automobile. Oui, ça fait assez longtemps que je fais de la formule, du go-kart. Cette fin de semaine, première fin de semaine en NASCAR, ça va être très différent, une voiture très différente aussi, mais on est ici pour s'amuser, puis je suis quand même assez compétitive. On va essayer de faire du bon travail, là. Maintenant, faire tes débuts ici entre deux murs de béton à Trois-Rivières, quelle est ta stratégie pour la course? Je vais essayer de rester calme. C'est sûr qu'en formule, j'étais habituée de pousser la voiture beaucoup. Écoute, je sais que la course, elle a quand même 43 tours, alors il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Je crois que mon instinct va m'apporter à faire les bonnes choses. Tu es soutenu par les concessionnaires Dodge. C'est excellent pour toi, pour ta carrière. Tu vas courir à Montréal. Tout ça, est-ce que tu penses que c'est vraiment l'opportunité qu'il te faut prendre maintenant? D'être avec les concessionnaires du Québec, Dodge, c'est vraiment une chose qui pas de mieux qui pouvait arriver. C'est vraiment un support incroyable de leur part. J'espère bien que continuer dans le futur et en faire encore plus, puis travailler avec mon programme de développement et phase, c'est vraiment très bien. Merci Marie-Ève. Bonne chance pour la course. Merci beaucoup.